renfermer ses émotions, canaliser son trop-plein de violence, boxer ensemble pour mieux vivre ensemble quand le noblard rencontre le milieu carcéral, un mariage de passion, une union de raison. C'est un peu des moments de liberté, mais c'est un énorme moment de partage. On leur apprend des choses, mais on apprend aussi beaucoup d'eux. Ça me permet de défouler, ça me permet de sortir une haine que je ne peux pas sortir sur des gens. Je pense que la boxe est un très bon moyen de réinsertion. Garde la main ouverte. On se déplace. Boxe. Alors déplace-toi, voilà. Alors laisse-toi toucher, laisse-toi toucher. Voilà, déplace-toi en pas chassé. Super, voilà, très bien, c'est pas mal. Va moins vite et n'hésite pas à toucher. Voilà. Alors déplace-toi sur toute la surface du ring, pas chassé. C'est pas toujours agréable d'être en détention et je crois qu'à certains moments, quand on fait quelque chose de positif comme la boxe, comme le sport, ben, je pense que tout le monde veille un peu sur tout le monde et tout le monde s'aide un peu entre eux et on surmonte un petit peu toutes ces difficultés, voilà, de la vie, de l'enfermement, du carcéral. Je veux dire, tu me touches que le bout du nez maintenant. Que le bout du nez. Très bien, très très bien. Ah, très très bien. Voilà, j'ai confiance en toi. Très bien. Ok, attention, le nez. Que le nez. Que le nez. J'ai confiance en toi. Que le nez. Très bien, plus vite. Très bien, super. Okay, regarde. Quand je sors, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aller à la boxe, j'ai besoin de boxer. Parce que si je boxe pas, je sais que je serai amené à faire des autres conneries, tu vois. Là, on est au centre pénitentiaire de Liancourt. Donc voilà, comme tous les lundis et jeudis, hein, je vais animer la séance de boxe. Yvan Mendy est classé boxeur numéro 1 français chez les poids légers. 44 victoires en 50 rencontres, dont 22 par KO. Un athlète mondialement reconnu et socialement sauvé par ce sport de combat. J'aurais pu être influençable ou autre, j'aurais pu partir un petit peu en sucette, comme on dit. J'avais besoin de me dépenser. C'est vrai que malheureusement, bah, je me dépensais souvent dans des conneries, des fois, ou en me battant, et c'était pas la meilleure des solutions. Donc du coup, la boxe, pour ce point-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Pour le champion du boxing Pont-Sainte-Maxence, sa présence ressemble à un juste retour des choses. Ça va, tranquille. Je savais même pas que vous étiez là. Comment tu vas? Elle aime bien quoi? Tranquille. C'est ma prof, ça. Ça c'est... Ah, on est là. Ça, c'est les boxeurs. Ça, c'est nos profs. Et l'expérience, ça fait un moment qu'ils boxent. Hein. Ouais. Pas mal de combats, tout ça. Et puis, donc, sur les enseignements, c'est facile. Les mecs, ils boxent depuis pas mal d'années. Donc, il n'y a pas grand chose à rectifier. C'est bien. Non, ça rectifie aussi. Là, nos profs, c'est le champion. C'est la meilleure. C'est, ouais. Champion. C'est notre champion. Donc, aujourd'hui, on va faire 12 rounds, mais on va alterner. Entre le sac et l'opposition, ok? Prêt? Allez, boxe! Les détenus, très clairement, il faut les occuper en détention. Il faut les occuper de manière intelligente. Toi, tu mets ton jab comme ça, et lui peut te croiser avec la droite. Pas de l'autre côté, éloigne-toi. Réfléchis un peu. Tu vois, là, t'es là. Là, c'est mieux. Tandis que si t'es comme ça, comment veux-tu reculer? La boxe éducative, comme les autres sports, permet de structurer le temps de détention, qui est, on peut dire, subi, mais qui est mis à profit pour que la personne puisse évoluer dans son comportement et dans ses habitudes. Là, tu bouges. C'est bon, récupère. Tourne, 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 tourne. Récupère, reste pas en face. Bouge un peu. Bouge, esprit. Stop! Non, parce que je laisse un peu déborder, hein, parce qu'il a fait un peu le malin. Donc voilà, les 15 secondes, je dis à Teddy d'accélérer pour que... Voilà, parce que lui, il était mal en point. Donc c'est pas comme ça la boxe, tu vas aller au bout des 3 minutes.
Donc je voulais pas qu'il aille au bout des 3 minutes, donc voilà, j'ai laissé un peu de temps. C'est bien. Bon, il boxe bien, mais il aime un peu trop la fête, c'est ça son problème. Moi, je pense que ça fait le bien et pour apprendre la discipline aussi. Comme aujourd'hui, j'ai pédi, après 11 ans en prison, je suis très discipliné. Et c'est pas les gens, c'est pas mon équipe, c'est moi qui choisis pour garder la discipline. Et grâce à la boxe aussi. Ça nous permet de décompresser. Voilà, ça nous permet un peu d'oublier un peu les problèmes du quotidien. Et puis voilà. Ça me permet de déstresser, tu vois, parce que moi, j'ai fait énormément de prison. C'est-à-dire que grâce à la boxe, j'ai appris à me canaliser aussi. Tu vois, ça permet beaucoup de choses. Ça reste des hommes, hein. C'est pas parce qu'on est enfermé entre quatre murs qu'on est différent des gens à l'extérieur. Et ça fait plaisir d'être entraîné par un futur champion du monde, on peut dire, peut-être. J'espère. Il s'appelle Michael Houssine Séverine. 15 éducateurs de boxe anglaise venus se frotter au milieu carcéral. La maison centrale de Poissy accueille chaque année des volontaires désireux d'enseigner leur art dans les prisons de l'Hexagone. Une formation sur 2 jours proposée par la Fédération française de boxe et financée par l'ADAP, la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Plein de profils différents cet après-midi. Vous allez avoir le jeune foufou qui va faire zébulon sur le ring. Et puis vous allez avoir le mec, voilà, 45 ans, un peu plus posé, de la bouteille, etc. Mais leur comportement, c'est comme les ados, par contre. Donc ils sont constamment en compétition, les uns vis-à-vis des autres. On est en milieu masculin, donc c'est la guerre de Kiki. Voilà, c'est, faut le savoir, hein. C'est compète, à fond les manettes. Ils vont beaucoup vous observer, ils vont vous poser des questions, ils vont être un petit peu provocateurs, etc. Donc voilà, c'est à vous de les attirer au fur et à mesure. Bah viens, viens. Ce qui est important dans cette formation, c'est de bien comprendre quel est le juste positionnement d'un intervenant extérieur dans un environnement spécifique, comme celui-ci. Quel est le positionnement vis-à-vis de l'institution, des personnels ou des personnes détenues. Tu vois, c'était trop près, cherche le front. Le front. Très bien, très très bien. Le front. Juste le front. La touche. Juste la touche. Sans pousser. Juste voilà. Très bien. Juste là. Très très bien. Pour des personnes qui ne sont jamais rentrées en détention, il est absolument indispensable qu'ils connaissent un peu le milieu, qu'ils connaissent déjà l'institution, la manière dont fonctionne au quotidien un établissement pénitentiaire, les règles de sécurité qui s'appliquent à n'importe quel intervenant extérieur. L'important est de s'imprégner du milieu, de se familiariser avec un environnement spécifique. On va avoir beaucoup de mouvements en fait. À chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, il va falloir qu'on rentre dedans. Et ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'est pas tous dedans à l'intérieur et que les deux portes sont fermées, on ne peut pas passer au sas suivant. Poissy demeure une maison centrale, un établissement qui prend en charge les détenus condamnés à de longues peines, 15 ans minimum, les prisonniers soi-disant les plus compliqués. Détenus, il y a des faits, c'est sûr, mais on a une autre pensée où on se dit comment ça se fait, comment ils ont fait pour être ici alors que quand on est avec eux, on passe du temps avec eux, c'est comme si j'étais avec un gamin ou un adulte à la salle de boxe, quand tu parles avec eux, c'est ça qui me donne l'envie. L'envie de s'occuper d'anciens détenus de Charente-Maritime, c'est un des souhaits de Michael Voss, jeune retraité des rings, désormais responsable du ROC, le Royan Océan Club. À la tête de 168 licenciés, l'ex-super welter cornac aujourd'hui Macan Traoré, champion de France chez les moins de 69 kg, et Sadaf Kadem,
première femme iranienne à avoir disputé un combat de boxe officiel. Ouvre le crochet, hein. Pas trop près, hein. Ouvre-le. Voilà. Ok. Et pas trop haut. Des fois, ouais, ça me manque un peu d'être sur le ring, mais j'adore d'être dans le coin. Ouais, c'est mieux. Donc tu vois, pas trop faire ça, hein. J'exagère, hein, mais pas ça. Là, bien là. Mais je sais pas, Michael, il y a un petit truc qui passe avec tout le monde. Il prend la salle, il y a deux ans, il me sort des champions tous les cinq. Enfin voilà, il a un petit truc sans crier, sans s'imposer, sans... Je sais pas. Et je suis très fier. Trois. Et encore trois. Et trois. C'est bien. J'aime bien en plus quand le public est dur. Je travaille avec un peu des jeunes en difficulté, des jeunes avec des troubles du comportement. J'aime bien quand c'est un peu dur, ça a des objectifs à se donner. Quand il y a une difficulté, quelque chose à amener, quoi. Un objectif au bout. Comme avec les gamins, comme avec les prisonniers. À 26 ans, Michael Veuss a validé sa formation d'intervenant en milieu carcéral à Poissy il y a quelques mois. Elle a été marquée par certaines personnes, marquée par des gars qui s'étaient confiés sur l'expérience de vie, marquée par la douleur de certains, ça ressort, marquée par la gentillesse d'autres, marquée par le respect qu'ils lui ont donné. Humainement, ça lui a fait beaucoup de bien. Depuis, l'éducateur a monté un projet avec la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, une prison isolée à l'extrémité d'une île très touristique. Mais dans cet établissement, les visites se font rares. Michael Veuss y a obtenu le droit d'enseigner une à deux fois par mois, en étroite collaboration avec le moniteur de sport, salarié de l'établissement et maillon essentiel du projet du Charentais. Allez, dès qu'on a les bandes, on peut commencer à trottiner un peu. Un peu de montée de genoux, après, derrière. Allez, on trottine un petit peu. Ce qu'ils ont fait, je m'en intéresse pas du tout. J'ai pas besoin de savoir ce qu'a fait l'un, ce qu'a fait l'autre. Ça m'intéresse pas, je suis là vraiment pour leur apprendre la boxe et qu'ils s'épanouissent et qu'ils puissent lâcher toute la colère, tout ce qu'ils ont et laisser ça de côté. Ici, vous allez m'enchaîner simplement un doublé du bras avant. Un, deux. Moi, mon bras avant, c'est mon jab, donc c'est mon gauche, c'est mon bras avant. Je me repositionne et j'attends le signal. Un, deux, et je me replace. Avant, j'étais impulsif. Maintenant, je ne m'énerve pas comme avant. J'arrive à maîtriser ma colère mieux qu'avant. Tac, tac, tac. Je ne te touche pas là si je fais ça. Mais si je fais ça, je l'ouvre, je touche. Voilà, il faut aller l'ouvrir le crochet. Même dehors, on aura besoin de faire un peu de boxe. Ça nous permettra d'éviter de faire des conneries, de revenir ici. Alors, trouver un sport qui nous canalise, c'est parfait, c'est bien. La boxe, c'est quelque chose qui va les maintenir dans la vie active, quoi. Pas dévier et revenir ici, quoi. Revenir sur leur faux pas et revenir, bien sûr, en prison à Saint-Martin, ce qui serait dommage. Non, là, j'ai un bon groupe et je pense, dans la dynamique où ils sont, je pense que c'est très positif pour leur sortie, moi, ce que je trouve.